Tu as besoin que Dieu puisse s'asseoir sur la chaise de votre cœur. Tu vois ça, l'église. Amen. Écoutez, j'ai une femme qui s'appelle Marie. Mon épouse s'appelle Marie. Moi, je suis sorti d'une famille pauvre. Elle était une famille désastre. Mais pour la fois, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, je suis dans un groupe, on voyait, okay, ce noir. Et là, je l'ai trouvé avec une métisse, qui était qui avait déjà 500 taillés à l'époque. Là, il y a quand même pas. Quand même, comment faire ça? C'est autres. Donc, là, j'ai dit, pardon. Donc, j'ai dit, comme on dit, le coup de foudre. Amen. J'ai parlé à Marco. J'ai l'air de moi. Là, j'ai dit, le pasteur a des potes. Mais écoute. Dans l'amour, hein, il faut appeler, il parler auprès d'une femme pour dire que Dieu m'a dit non. Amen, amen. J'ai parlé à Marco. J'ai l'air de moi. Ses qualités, dont les qualités, la beauté qu'elle n'a jamais attendu n'a pas de côté d'autre. Amen. Amen, amen. Je vais parler. Maintenant, il est beaucoup plus. Moi, je suis noir. Parce qu'elle ne n'aimait pas de tes yeux noirs. Mais avant de parler, j'ai sorti de ma bouche. Et c'est du courage. Hein? Et c'est dit, mais en tout cas, Richard l'a dit. Amen, amen. Dieu aussi, si vous le louez, vous l'adorez, Dieu aime ça. Ok? Dieu aime l'adoration et la louange. C'est la raison pour laquelle Dieu nous a prévu de les louer. Ok? Commencez à louer le Seigneur. Louez le Seigneur, louez fortement avec concentration. Avec beaucoup de sérieux. Amen. Il y a des personnes, hein, même à l'église, pour louer le Seigneur, c'est un patron. C'est un patron. Amen, amen. C'est un patron. Tu n'as rien dans la vie. Tu n'as rien pas. Mais Dieu t'a fait comme tu es. Tout ce que tu as dans la vie, c'est Dieu qui te l'a donné. Yes. Amen, amen. Yes. Tout ce que tu as là, c'est Dieu qui te l'a donné. Pas ton temps de louer le Seigneur, de délivrer son nom. Amen. Amen. Écoute. Qu'est-ce que Dieu a encore besoin que nous puissions lui donner? Parce que il a tout écrit. Alors, je disais que la seconde chose, il faut prendre le temps de louer le Seigneur. De louer fortement. Pour élever son trône. Et dans ce temps-là, c'est pas sur la chaîne le siège ici qu'on nous parle. Maintenant, il va s'asseoir dans ton propre corps. Amen. Amen, amen. Amen. Parce qu'il a besoin de posséder notre corps. Amen. Et puis, la dernière chose, chasser les démons en coupant tous les contrats de mariage par la parole d'autorité. Au nom de Jésus. Amen, amen. Amen. Donc, lorsque les maris deviennent, ou les femmes deviennent, ils contractent avec nous des mariages de force. Quel qu'il est fait ou non, il est fait. Lui c'est un rebelle. Hein? Amen, amen. C'est un rebelle. Les enfants de l'autre, quand ils venaient, prendre les femmes et les filles d'autrui, ils venaient des forces. Hein? Ils faisaient des forces parce que d'abord ils étaient des rebelles. Alors maintenant, il faut qu'on commence, après avoir fait une longue louange d'adoration, vous commencez à prendre l'autorité que Dieu vous a donné. Dieu vous a donné l'autorité. Avant que vous n'ayez pas eu le temps de soi, le Saint-Esprit. Mais vous avez eu l'Esprit de Dieu. Mais même l'autorité, vous devez dire ceci. Comme j'ai appris. Toi, le diable, moi, ma fille appartient à Jésus. Ma fille appartient à Jésus. C'est pour ça que je disais au diable. Ma fille appartient à Jésus. Mon mot, c'est que le temps du Saint-Esprit. Tu n'as rien contre moi. Tu n'as aucun droit dans ma vie. Je suis à tout payer pour moi à la croix de mon côté. 20 ans dans les années. 20 ans. Toi, tu dis 20 ans dans les années. Amen. Amen. J'ai fait ça plusieurs jours. Le cas précis.
Le diable, il a des oreilles. Il écoute, il a des oreilles. On appelle Marie de Dieu les femmes de Dieu. Pourquoi mettre fin à toute relation maritale, de mari et enfant, on ne les fait pas la parole, n'est-ce pas? Amen. On ne les fait pas la parole. Amen. Je dis bon, Jean-Claude, moi je croyais qu'il venait pour qu'on puisse faire parler une bonne affaire, hein, pour que vous preniez davantage, pour que tu en ailles. Amen. Il va pas. Alors, mais pour les démons, c'est pour son frère. Le diable, toi, il sait que toi tu connais Jésus. Et vous savez le nom de Jésus, c'est le nom le plus grand qui soit. Amen. Alléluia. Amen. Amen. À notre appel, lorsqu'on a commencé à faire des trucs, dans le monde d'abord, j'ai fait de la musique. Et pour monter vraiment dans la musique du monde, il fallait faire des trucs. Je suis allé chez Dieu au Père. Dieu au Père, mais il me donne une prière, et je dois le faire. Il me dit, bon, cette prière, si toi tu vas la faire nuit, quelque part. Et pendant que tu fais la prière, tu invoques ce monsieur. Lorsqu'il viendra, il viendra dans une grande tempête, il ne faut pas prier. Toi, tu es dehors, tu ne peux pas prier. Il faut prier. Viens au Père, il vient me demander des trucs, mais lui-même il est très pauvre, mais il me donne la pierre pour avoir beaucoup d'argent, pour avoir la sécurité, qui est lui-même. Amen, amen. J'ai commencé à évoquer les esprits avec la pierre qu'on m'avait donnée. Lorsque la tempête est venue, j'ai été mis d'abord, dehors aussi, en milieu. Et je suis parti à n'importe quel sens. Je vais te dire, opéra, je me dis, tu es opéré. Je me dis, qu'est-ce que tu as fait? Tu as mouru, tu as prié. Ah, parce que tu vois, tu n'as pas écouté les conseils. Amen, amen, amen. Amen. Maintenant, il reste Dieu présent, je suis là présent. Amen. Il est bon. Jésus est bon. Ah, Jésus est bon. Ah, Jésus, il est bon. Moi, je suis le fils de sa bonté. Amen. Je suis le héros. J'ai traité par les maris de mes frères de nuit, mais je suis malade de vie. Amen. Amen. J'ai déjà côtoyé les choses pour se lever, pour devenir les papas ou les bouffons, les démons, ils sont, mais Dieu m'a donné. Jésus est bon. Jésus est bon. Amen. 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 Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire là? Quand j'ai commencé maintenant à louer, les démons écoutaient. Ils savent maintenant que maintenant, il est en train de louer Jésus. Jésus, lorsque vous les louez, les démons écoutent. Et lorsque vous chassez les démons, eux-mêmes aussi, ils écoutent. Vous savez que maintenant, il est en train de nous chasser. J'ai chassé les démons devant eux-mêmes. J'ai dit aux démons, toi le mari de Dieu, toi la femme de Dieu, je te dis au nom de Jésus, va t'entraîner. Parce que il y a des gens qui disent, toi le diable, je te chasse dans l'enfer. C'est aussi bizarre. Le diable, il n'est pas dans l'enfer. D'abord, il est immortel. Le diable ne veut pas se tenir l'esprit. Amen. Alors, j'ai commencé à parler. Allez-vous entrer de moi au nom de Jésus. Allez-vous là. Moi je ne sais pas. Moi je suis la femme de Jésus. Mon est dans le Saint-Esprit. Moi je suis la femme de Jésus. Parce que nous sommes ici, nous sommes des femmes de Jésus. Hein? Ouais. C'est vrai, nous sommes des femmes de Jésus. J'ai dit au diable, va t'entraîner. Ne reviens plus dans ma vie. Ne reviens plus dans ma vie. Je demande à quelqu'un de me chercher un verset où Jésus a chassé un démon en me disant, va me donner. Cherche dans la Bible. Là, je vais chercher les démons dans la vie d'une personne en lui disant, va me donner le bien. Lorsque j'ai commencé à donner comme ça aux démons, j'ai fait. J'ai trouvé. Ces jours-là, les démons ont commencé un peu à résister. On dit s'ils voulaient venir, on dit qu'ils ne voulaient pas. C'est seulement pour m'éliminer, pour ne pas que je ne puisse pas continuer. Amen. J'ai beaucoup d'enfants.
je puisse seulement voir le pasteur, j'ai mon plan pour. Et chaque jour, avant de dormir, et au départ, au début là, quand je vais seulement oublier de prier, parce que c'était une catastrophe, ah, j'ai oublié de prier aujourd'hui, mais je ne dors pas. Donc, à tel point que j'ai commencé à ne plus dormir avant de prier. Mais j'ai prié fortement. Alors j'ai prié maintenant, si je peux dormir à 22h, je commence à prier à 21h. Parce que je dois prendre tout mon temps. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui attendent ma vie. Je peux me promener, je peux me faire des contrôles, il y a des personnes qui attendent de la vie. Et si je suis ici, j'ai un homme ici, vous voulez dormir, il faut éteindre la lumière. Mais lui, il vient. J'arrive pas à dormir, mais il y a la lumière éteinte, non? Et c'est vrai, mais j'ai dit que là, je passe à dormir en étant dans la lumière. J'ai dit, Dieu, vous croyez que Dieu est grand? Dieu est grand, non? Dieu est grand. Je passe à dormir dans la paix. J'ai éteint la lumière avant de dormir. Mais je n'arrive pas à éteindre la lumière pour ça, pour dormir. Parce que je sais que dès que j'éteins la lumière, il vient. Il vient. Et quand il vient, vous sentez vraiment que quelqu'un te touche. Il monte sur toi. Il continue, bah, tu n'as plus la force de bouger. Et puis, lorsqu'ils font, c'est juste 2-3 minutes. Rapidement, sans amour. Sans aucun amour. Sans aucun amour pour la personne. Donc c'est lui qui fait. C'est pour ça que je sens ça. Il fait, et puis il s'en va. Les démons ne nous aiment pas. Les démons ne nous aiment pas. Amen. Les démons ne nous aiment pas. Amen. 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 Regarde comment tu dis. Tu peux te dire que quelque part, j'ai aucun pied aussi pour ce n'est pas cet esprit. Tu peux te dire que quelque part, toutes les choses qui me sont arrivées, ce sont les démons-là qui les ont fait dans ma vie. Amen. Alors j'ai commencé à chasser les démons, à chasser, le premier jour, il tentait de revenir. Deuxième jour, il tentait de revenir. Si ça faisait que si tout ceci, je commence à jeûner 2-3 jours, à jeûner, sans manger, sans boire, pas il devient fort. Quelqu'un me dit, j'ai dit à mon pasteur, lorsque je jeûne, c'est comme s'il devient fort aussi. Mais dis-moi, frère, il faut continuer, il faut continuer. Vous allez voir, il faut s'en aller. La Bible dit ceci, résister au diable, il fera que Dieu. Amen. Amen. Le diable, il faut lui résister. Il faut lui résister. J'ai commencé maintenant à résister au diable. Et puis après, maintenant, je pense à tout. Même si j'oublie de le dire, en couvert de dormir, Jésus est fort. Amen. Jésus est fort. Amen. 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 Je voulais que ce soir ici, il y ait des personnes qui veulent se dégager de ces esprits-là. Qu'il y ait des personnes qui veulent se dégager. Amen. Amen. Jésus n'a pas changé. Jésus n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternel. Amen. On dit ceci dans la Bible. Dans Matthieu chapitre 10, verset 8. Matthieu 10, verset 8. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Il dit chassez les démons. Il n'a pas dit opérer avec les démons. Chasser les démons. Amen. Il faut chasser les démons. Il faut les dire de partir. Aussitôt le père de l'enfant s'écria. Marc, j'ai dit. Matthieu 10. Non, c'est verset que j'ai dit tout à l'heure. Jésus dit à l'esprit impur, va les raisons. Dans Marc chapitre 9, on lit à partir du verset 24. Je dois lire le verset 24. Versets 24 et 25, j'ai lu au nom de Jésus. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité.
Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, esprit muet, sors, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Amen, amen. Lorsque vous dites, vous parlez au mari de nuit ou à la femme de nuit, dites-lui, va-t'en te lever de ma vie. Ne rentre plus dans ma vie parce que ma vie appartient à Jésus. Amen. Mon corps appartient à Jésus. Mon corps est dans le Saint-Esprit. Amen. Amen, amen. Si vous le faites sous l'effet de la louange et de l'adoration que vous venez de faire, là, vous vous rappelez que vous faites très fort. Amen. Amen. J'ai aimé une fille. Quand je grandissais, on sautait avec ma fille. Même je suis aimé la fille a été une personne plus imposante que moi, avec beaucoup de moyens. Je reviens demain. La fille me dit, toi ne vas pas me lever ici. Parce que j'ai déjà quelqu'un. Et pendant que moi je discutais, l'homme a parlé. Il me dit, monsieur c'est en français, en négal, c'est pas monsieur. En fait, c'est pas un gars, c'est pas monsieur. Me dit, yo. Ah, moi, je suis un maître, moi. Ah, c'est monsieur. Moi, je suis un maître. Kébéré, moi, il me dit comme ça, Kébéré. Moi, Kébéré. Hein? Moi, j'ai déjà passé cette fille ici, tu m'appelles Kébéré. Moi, je suis Kébéré. Ah, ça veut dire, ce garçon-là m'a chassé. Et pour chasser sur les démons, il faut lui dire des choses. Amen. Yes. Mon yibi des menteurs. Tu m'as trompé. Laisse-moi, moi j'appartiens à Jésus. Moi je suis la femme de Jésus. Moi ma vie appartient à Jésus. Tu les chasses. Il faut que tu es sérieux dans tout ce que tu dis. Amen. 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 On doit entrer quand même très fort pour que nous puissions faire ce que je veux.